Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars que vous allez bien. On est toujours en direct de Montréal. Ok les gars, Montréal à Laval exactement. Bon, concrètement avec ce paysage là, ça te parle pas? Je pense que tu te dis pas là on est à Montréal. Quoique la maison qui est derrière elle fait pas non plus française. Hein. Donc les gars, n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait. Ok, et la petite cloche comme d'hab, tu connais. Tout est en descriptif les gars, si j'avais une expertise déjà, il y a la masterclass qui est dispo. Si vous voulez créer un business en ligne, pareil, dans la description, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer gratuitement, ok, offert. Tout ça c'est offert les gars. Et passons directement au sujet de la vidéo. Comment créer un business, d'accord? Donc moi je vais voir avec vous comment créer un business à partir des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de te dire, si tu veux créer un business, d'accord, pour les gens qui sont partis de zéro comme moi, d'accord. Moi, j'ai grandi à Évry, dans le quartier des Pyramides. J'ai monté mon business grâce aux réseaux sociaux, d'accord. Donc, j'ai créé un business en ligne, notamment sur le saxophone. Ok, tu peux taper Jonathan le saxophoniste, tu vas me trouver. Et donc, moi maintenant, eh ben, je te prêche ce qui a fonctionné pour moi et ce qui, je pense, est d'actualité. Ok, c'est créer son business à partir d'une communauté, d'accord, à partir des réseaux sociaux. Alors, pourquoi il faut faire ça? Mon gars, aujourd'hui, il faut que tu crées ta communauté. Si jamais tu ne l'as pas encore fait et que tu veux créer un business, c'est que un truc que tu manques. En fait, tu te coupes en tout cas d'une grosse ressource. Okay? Si aujourd'hui Will Smith, le gars, il est au sommet, mon gars. Tu ne peux pas le rattraper. Le gars, il est tout en haut. C'est le patron à Hollywood. Il a créé sa chaîne YouTube et il a créé un compte Instagram. Okay? C'est pas pour rien. Hein? S'il l'a fait, c'est parce qu'il sait pourquoi. Il a des gens qui sont autour de lui, qui ont du conseiller. Il a des très bons conseillers. Donc pourquoi? Parce que aujourd'hui, personal branding, c'est super important. Alors, c'est quoi le personal branding? C'est le marketing de soi-même en fait. Des outils marketing que tu utilises pour ta propre personnalité. Parce que toi, peut-être tu vois les gens sur YouTube, tu dis « Ah, ils sont là, ils font des blagues. Ah, ah, ah. Mon gars, ils sont pas en train de faire des blagues, mon gars. Enfin, ils font des blagues, mais ils sont en train de monter un business. Ils sont pas là juste comme ça en train de faire le fun parce que c'est du travail de faire des vidéos comme ça. Trouver des thématiques, après faire les vidéos, etc. Être régulier, c'est du taf. Donc, tu imagines bien que les gars, ils font pas ça juste pour rigoler. Alors, évidemment, quand c'est ta passion, ben, ça passe mieux, tu vois. Mais ça reste quand même du travail. Et en fait, ce qu'ils sont en train de faire, là, les gens que tu es en train de voir sur YouTube, d'accord, qui postent, ils sont en train de créer un business. Qu'ils en soient conscients ou pas. Parce que ce qui se passe, c'est que pour pouvoir créer un business, il faut avoir des clients. D'accord? Si tu as une offre, mais tu n'as pas de clients, ce que faisaient la plupart des gens l'erreur que fait les experts, c'est qu'ils passent un an à créer un produit, tu vois, tout seul dans leur chambre, et après quand ils sortent, ils font « ça y est, c'est bon les gars, j'ai créé mon produit !» Tu vois? Mais personne ne s'intéresse à leur produit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne, il n'y a pas de prospect, il n'y a pas de communauté, ils n'ont rien. Bon, déjà, ils ont fait plusieurs erreurs parce qu'ils ont créé un produit à partir de ce qu'ils pensent que les gens ont besoin, ils n'ont pas demandé aux gens, et en plus, ils n'ont pas de gens qui les attendent. Tu vois? Alors que quand tu as une communauté, hein, tu remarques bien par rapport à tout le monde, enfin tous les gars des youtubeurs que tu connais, vas-y, pense-y, tu vas voir. Ben, une fois que tu as une communauté, je pense notamment à Body Time, d'accord, je les cite souvent parce que je pense que c'est un exemple de réussite en termes de communauté et de business. Mais ils ont créé leur marque de vêtements. Ils ont créé plusieurs en plus, je crois, pour les femmes, pour les hommes, moi je ne sais plus exactement. Ils ont créé leur programme en ligne. Enfin, ils ont créé énormément de choses. Mais pourquoi ils peuvent le faire? C'est parce qu'ils ont une communauté qui les suivent. Tu vois, ils arrivent même, des youtubeurs font même des Tipeee. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu as une communauté juste parce qu'ils veulent que tu continues à faire des vidéos, ils peuvent te faire des dons. tu comprends ce que je veux dire? Ils peuvent te faire des dons. Tu n'as même pas besoin de proposer un échange de valeur, un produit. Tu peux même avoir des dons. Ok? Donc, super important, créer ta communauté. Maintenant, choisis le réseau que tu veux, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube. Moi, j'aime bien YouTube. Donc, je prends YouTube parce que je sais que YouTube, c'est sur du long terme. Hein, on est là pour défoncer la télé. Je pense que maintenant, on est plus sur YouTube que sur la télé. Bon, là, c'est moi qui me raconte mes trucs. Hein, je ne sais pas. je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que les réseaux sociaux, l'attention est sur les réseaux sociaux maintenant. Donc maintenant, si tu n'es pas convaincu, deuxième argument. Aujourd'hui, tu te dis, imaginons, tu te dis, non, ben non, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je n'ai pas besoin de créer ma communauté, c'est pas grave, etc. Que tu le veuilles ou non, aujourd'hui, les entreprises utilisent les influenceurs pour pouvoir vendre leurs produits. C'est ce qu'on appelle les placements de produits. Que ce soit Nike, que ce soit qui tu veux, les gars, ils font appel à des influenceurs qui sont sur YouTube ou qui sont ailleurs, qui ont un site, qui sont sur Instagram, ils appellent les influenceurs. Donc, si toi, tu veux créer ton offre, pourquoi tu veux payer quelqu'un pour pouvoir vendre des produits, d'accord, un influenceur, au lieu d'être toi-même l'influenceur? Tu vois bien que tu es quand même beaucoup plus gagnant, tu vois. Et en plus, tu vas vendre beaucoup mieux, encore mieux, d'accord. Donc, imagine si jamais c'est rentable pour les gens qui, euh, qui,
qui passe par un influenceur. Ok ? Imagine comment ça va être rentable pour toi si jamais c'est ta propre communauté. Ok ? Si c'est toi-même l'influenceur. Ok ? Donc, maintenant, tu as plein d'exemples. Tu as Bouscapé. Je prends exemple parce qu'ils habitent à Évry, les gars. Donc, on donne la force. Hein, le site numéro 1 sur le rap. Ok ? Ils ont créé une communauté. Après, les youtubeurs que tu connais, Thibaut InShape, Norman. Etc. Ils ont créé une communauté. Regarde, Norman a fait des one-man shows après. Les gars, ils font des vidéastes. Il y a Mister V aussi, énorme. Ils ont créé du contenu. Maintenant, c'est que du kiff. Hein. Il a même sorti, pour te dire, le gars, il a sorti un album de rap après, Mister V. Alors que pourtant, ça n'avait rien à voir. Et en plus, il a fait des bons scores. Donc, c'est pour te dire que quand tu as une communauté, que les gens, ils accrochent à ta personnalité, ils accrochent à qui tu es, bah oui, parce que c'est ça aussi, la force. Pourquoi c'est fort d'avoir une communauté? C'est que les gens, en fait, ils accrochent à ta personnalité. En fait, pour eux, c'est comme si tu étais leur pote parce qu'ils te voient tout le temps, en fait. Donc, ils apprécient ce que tu fais, donc ils vont toujours te soutenir ou ils vont, si jamais tu leur apportes de la valeur derrière, ils vont te suivre ton projet, tu vois. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais tu as une expertise, d'accord, tu es coach, consultant, que tu as une expertise dans la relation, dans la santé ou dans les finances, que ce soit trading, que ce soit immobilier, tu sais comment faire gagner de l'argent, t'as une masterclass, elle est offerte, c'est gratuit, elle est pour toi. Elle est spécialement faite pour toi. D'accord ? Si tu as déjà une expertise que je viens de citer, elle est pour toi et je peux te dire que tu as intérêt à l'avoir. Donc clique et regarde la masterclass. D'accord ? Je partage avec toi les stratégies que j'utilise avec mes clients. D'accord ? Mes clients, il y en a qui ont eu beaucoup de résultats. Il y en a un qui a fait 4 à 6 000 dollars en un mois. Il y en a d'autres qui ont fait 60K en 4 mois. Bon, de toute façon, tu as les témoignages dans la playlist. Clique, c'est gratuit, c'est offert, il ne va rien t'arriver, t'inquiète pas. Et si jamais tu n'as pas d'expertise, d'accord, et que tu aimerais créer ton business en ligne, d'accord, comme moi j'ai fait avec le saxophone, ça m'a généré plus de 2000 euros par mois, là, à ce moment-là, tu cliques dans le lien qui est dans la description, il y a une formation offerte où je t'explique exactement les étapes pour créer ton business en ligne. D'accord, si tu n'as pas d'idées business, partage avec toi plus de 25 idées business de niche rentable. Ok? Donc mec, si tu veux t'en sortir, tu as tout qui est offert, tu as tout dans la description. Ok? Donc tu n'as plus d'excuses. Ok? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que tu es un rageux. Laisse-moi un joli commentaire. Ok? Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous.